Oh, Golden Olympics, ça c'est good. Game 1, c'est un JV3. Game 1, c'est quoi? C'est un JV3, la pitch. Ah, pitch, ouais, c'est ça. Pitch, d'accord. C'est ça, je me dis. Dans le fond, je vais pas partir à. T'es où, là? Ah, il est ici. Ah, tu peux gagner contre CCO sur Wabon, man. Tu veux ma place? Je pourrais. C'est sûr, pour vrai, genre, il gère pas dans ma play. Tu places bien tes mains dans la play, il est dans la misère à dealer avec. Mais... C'est qui ce Charles Bernard? Mais il est quand même pas super dans ce match-up. Pas mal, il est. Non. Allô, Charles. Ah ouais, je vais pas qu'il goûte. Oups. Ok, bon. Ça, c'est sick comme matchup. J'ai appris à l'aimer. Non. DVDB, c'est un des. Honnêtement, c'est probablement le meilleur matchup. Bon, ben, c'est parce qu'il joue contre Malpex. Ouais, ouais. Mais d'habitude, il me semble qu'il joue Fox en matchup. Ça fait longtemps que je joue Fox. Dans le bracket, là. Ok. Autre qui est peut-être être ici, oui. Ok. C'est bon. Donc, moi, je dirais que. Uptilt. Je dirais que. Ouais, toi, tu connais ce match-up là pas mal. C'est rendu. Mais, honnêtement, c'est rendu. Je m'améliore dans le match-up. C'est rendu, je l'aime. Ah ouais, c'est vraiment. Falco Life. Ouais, ça, c'est la Falco Life, ça. Il y avait un Stitch. Ouais, mais ça me semblait aussi. Je pensais que j'avais oublié. Mais vraiment, que ça regarde pas tant les. Genre, ok. Les tournées, petit peu. Ok. J'aurais attendu genre c'est comment que Max Wicker. Ouais. Tu serais resté sur l'aide ou moi c'est. Genre tu sais, j'aurais peut-être aussi couvert le crack et de quoi tu sais genre avec un backer. Ouais. Puis j'aurais attendu voir qu'est-ce qu'il fait. Non. Je suis pas sûr que juste downer to downer aurait fait la jeu. À moins que le pick se dit vraiment bien. Honnêtement, les lasers qu'on pitch c'est tellement meilleur que ce que je pensais. Hey, c'est insane. Puis c'est parce que genre, moi là. Ça empêche de sauter. Je donne un truc au Falco là dans le chat. Là. Tu laser, puis même si genre au-dessus de tes lasers avec son float, là, tu continues laser. Puis elle peut juste rester 3 secondes dans son float, tu l'approches avec tes lasers, puis tu up tilt. Genre tu turn around up tilt. C'est ah. C'est divin. C'est fuego. Ouais, fuego as fuck. Sinon, pour Peach, j'ai aucune idée quand jouer Peach, fait que je peux pas donner l'heure là-dessus. Là. J'ai la misère à float. Là. Ben, honnêtement, normalement, ce que tu essaies de faire, c'est genre de float par-dessus les heures. Ouais. C'est pas mal, genre, ta façon d'approcher. Puis tu es Falco de même. Ouais. Mais ça, c'est sûr que derrière, il n'y a pas grand option, mais probablement que genre, hobby à hauteur du ledge. Questionnable. Ouais. Tu connais cette trajectoire, peut-être des turnips. Ouais. Pour essayer de l'éviter. Oh. Ou sinon, au moins à sa hauteur, genre side B pour pas qu'il y ait l'option turnip, justement. Ouais. Oh. Ouais. Shine stall. C'est... Ouais, genre ça, up tilt, ça le beat. Ouais. Ou ça trade. C'est sûr que. C'est pas vraiment trade, mais. Non, c'est ça. C'est rare, ça trade. Ah ouais, ok. Ben, c'est vrai, tu vas frapper genre sans run. Ouais, ça, tu la pognes avant qu'elle touche. Ouais. That's. Falco a tilt for your folks. Alright, not bad. On t'envoie le sage. Ouais, dash attack. C'est quand même longtemps que David a joué, je pense. Il fait un petit break. Ouais. Mais questionnable. Non, un de ses meilleurs qu'il s'était en ce moment, c'est jab to back air, mais. Ça a pas l'air d'arriver. You would switch? Non. Ben, je pense pas. Tu irais, toi, à Yoshi's? Mais il y a peut-être ban Yoshi's. Moi, je jouais toujours genre Yoshi's Pokémon. Puis, genre, des fois, ce joueur Fanta, ça va même si je la perds tout le temps. Genre, okay. Ça, c'est un match-up où. C'est une map où j'apprends dans le match-up parce que je me fais juste démolir à chaque fois. Avec les plateformes, genre, je sais pas comment jouer avec. Mais je pense que David est définitivement meilleur que moi. C'est là-dessus? Là? Ouais, for sure. C'est vraiment bon de faire le coup, mais ouais. c'est genre pas facile. De... C'est tellement dangereux. Ouais. C'est tellement dangereux avec les laser eyes. Hein. Genre, tu manques un laser, tu fais une air. Tu manques genre. Ouh! Ouais, not bad. Ouais, c'est un downer.
Je l'avais souvent moi aussi. Pour l'Edge Dash. Ouais. L'Edge Dash c'est bon, mais hey, ouais. C'est fou à quel point, genre, toutes les fois que tu veux l'Edge Dash, mais on va faire le coup de l'Edge Dash. Mais c'est parce que. Mais en animal, j'ai l'impression que j'ai plus la facilité à faire avec Fox. Vraiment. J'ai l'impression que je le, moins, je le manque moins souvent. Ouais, c'est parce que. Juste après ça, moi aussi. C'est que Falco aussi, c'est que genre. Si tu le manques. Puis mettons que. Mettons que tu le manques, mais tu traverses un stage pareil. Puis tu manques juste de l'invincibilité. Mais c'est parce que n'importe quel move t'as off stage, puis quand t'es off stage, usually t'es mort. C'est, dans ce que Fox, selon moi, un, c'est ça, son ledge dash est un peu plus facile à apprendre. Puis en plus, ta recovery est juste meilleure. Ouais. Moi, c'est le moins que je vois ça. Mais c'est sûr que c'est un asset que les Falco font qu'il attend. Nice bait, mais punish pas. Il y a du shine turn around back here. Shine turn around down there. Ouais. T'es invincible, tu cover pas en plus. Il bait genre vraiment plein d'affaires, mais il est punish pas. Ouais, des fois dans punish game quand ça fait longtemps. Ouais. Oh! Tabarouette, le gros read. Ou le coverage, I guess. Le shield boat. Il a déjà mieux que la première game. Ouais, c'est sûr. Tu sais, il est encore capable de gagner ça. Là. Ouais. Mais si tu fais genre dash attack, grab là. C'est comme là. Genre, laser, tu t'avances, tu t'en rends le tilt là. Il peut rien faire parce que quand ton laser le pun, il a son petit lag, puis genre le double jump à peach, il suck. Fait que ton tilt le pun every time. Parce qu'il n'y a pas le temps de shield, puis il n'y a pas le temps de double jump. Fait que, genre, un insane reaction time, puis nair ou tout de même, je sais pas. Fait que c'est pour ça que les autres turn on tilt, c'est l'affaire la plus rapide. Parce que, tandis que si tu fais genre un reverse back air, tu vas trade 99% du temps. Ok, ouais. Optile, c'est que tu restes safe, dans le fond. Ok, ouais, j'aime l'idée. Donc, le shine à shield. Ouais, genre ça, les lasers qui a été gagné la plateforme, ça peut le punish hard. Ok. Ok. On ne sait pas de la shot attack. Mais en tout cas, c'est pas un même taille dans ce moment. Ouais, non, DVDB peut clairement. Oh boy, ça fait mal fort le coup. C'est fait le pain dans son double jump. Oh shit, on a pas mis les scores, on suck. Bon. Ben, congrats à Malibu d'avoir gagné cette. On a des maximum. On y va? Ouais.